Eh bien salut à tous mes petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on est sur GTA 5 Online, je suis en compagnie de Starmiz. Salut Starmiz. Eh bien le bonjour tout le monde. Du coup aujourd'hui on va faire le petit test de rapidité entre les nouveaux véhicules. Donc là on va tester la nouvelle Entity XXR face à l'ancienne Entity pour voir si les 2 300 000 $ ont bien été investis dans cette nouvelle version de la Entity. Ensuite on testera aussi la voiture de NASCAR et on testera aussi la Taipan cheval. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et du coup bah on est parti. Je vais faire comme je fais à chaque fois pour une course, je jette une grenade. Ok. Attends, j'ai bougé. Je me rappelle même plus comment on lance des grenades tellement ça fait longtemps. J'ai pas joué à GTA 5. Je te jure. Attends, t'es prêt? Attends, je me place. Attends, remplace-toi. Ouais, c'est bon. C'est bon, dès qu'elle explose, on part. Ok. Ok, donc c'est parti. On est parti en même temps. Ouais, on est parti en même temps. Voilà, putain, t'es en train de me tracer là. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, t'es sérieux là? T'es sérieux là? C'est sérieux? Eh ouais, Entity reste à la base, la meilleure, la toute première. Mais wesh! Oui! J'ai gagné! Mais non, mais c'est pas possible! C'est pas... Attends. Un test se vérifie sur deux coutures. C'est pas possible autrement. Autrement, c'est pas possible. En plus, on est parti en même temps, quoi. Mais franchement. T'es prêt? Attends, vas-y. Et on est encore parti en même temps, donc là il n'y a pas de souci. Reste bien droit. Hein. Reste bien. Eh, hey, tu vois là, je te trace. Je suis bien droit, ouais. Là, tu vois, il va me rattraper. Je vais rien comprendre à ma vie. Non, là, je te trace. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Attends, on va refaire un dernier pour voir. Pour être sûr. C'est pas normal que. C'est pas normal que. Presque une petite égale, on dirait. Mais ouais, mais dans tous les cas, peu importe, hein, vu le prix que ça coûte. Je pense pas que. Je suis un peu loin, mais bon, ça va. Donc là, tu m'as encore tracé à l'accélération. En plus, je suis bien droit. Oh. Ouais, moi aussi, je suis bien droit. Non, c'est bon, là le test, il est bon, là. Là, il est bon, donc c'est okay, bien. Ok, en fait, il y a eu un petit problème de technique au début, quoi, on va dire. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant, on était parti en même temps. Ouais, donc, ouais, ok, donc elle est bien... Elle te trace bien au début, ça va, parce que t'arrives à m'égaler, mais après, ensuite, en vitesse de pointe... Mais bon, c'est pas non plus fameux pour le prix que la voiture coûte. Faudra qu'on teste avec les autres voitures, attends. Elle est pas aussi extraordinaire au niveau de vitesse, sinon. C'est ça. Tu l'as, la cheval Taipan? Même test, NASCAR vs Entity XXR. Alors, t'es prêt? Vas-y. C'est parti. Quand tu veux. Moi, je suis parti un peu avant, là, je crois. Ouais. Je suis parti un peu avant, là, je crois. Attends, est-ce que tu vas me rattraper? Est-ce que tout va se jouer dans la ligne droite? Non, je pense pas du tout là. Ah ouais? Non, t'es largement. Je pense que c'est au niveau de l'accélération que j'arrive à te niquer. Si tu pouvais éviter de casser la voiture à chaque fois, ça serait pas mal. Désolé. Oh putain! A perdu la portée. Hein. Ouais, si tu pouvais éviter. Vas-y, attends, on va refaire un dernier test. Évite de la casser. Attends, là. Attends, je vais voir un truc. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'accélération que j'arrive à te niquer. Hein. C'est que au niveau de l'accélération. Ouais, c'est au niveau de l'accélération que je te nique. Parce que sinon, après, je suis sûr que si à l'accélération je te niquerai pas, je suis sûr que t'arriveras à me rattraper. Quoique. Je te mets une bonne distance là. Ah, mais la Entity va plus vite que la Scar. Là. Oh. Ouais. C'est bizarre parce que j'aurais pensé autrement vu que c'était une voiture de NASCAR. C'est quoi ces vitesses attends? Sur. Je sais pas du tout. De base. Bah, je pense pas que c'est vraiment une importance. Faudrait maintenant la cheval Taipan. Faudrait qu'on essaye avec la cheval Taipan. Vitesse max.
Donc on est parti pour le dernier test qui va opposer la Entity XXR à la Cheival Taipan. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Attends, je vais prendre la grenade. Hop là. Si jamais j'arrive à battre ta voiture, ça sera donc la voiture la plus rapide de ce DLC à l'heure actuelle. Hein, même s'il est en plusieurs parties, ça sera... Non, attends, t'es pas parti en même temps que moi. Faut pas que ce soit des faux résultats, faut que ce soit des vrais résultats. Faut pas que tu partes avant moi, et faut pas que je parte après toi. T'es prêt? Oui. C'est parti. Là c'est bon, on est parti en même temps. T'as okay, eu donc... petit avantage dès le début. Ok, donc au niveau de l'accélération, je te trace. Au niveau de l'accélération, il n'y a pas photo. Et au niveau du reste... Ah attends, non, même pas sur la fin, même pas tu me rattrapes. T'étais pas obligé de faire le saut. Attends, on va faire un dernier. Oh là. Est-ce que ce serait donc la nouvelle super sportive la plus rapide de GTA V? Attends, pour l'instant on fait juste le test avec les nouveaux véhicules du DLC. Si ça vous intéresse, vous me ferez savoir dans l'espace commentaire et... on fera peut-être un autre épisode. Enfin, entre guillemets, un autre épisode. Là, on est parti ensemble. Ouais, c'est vraiment au niveau de l'accélération que je te trace, quoi. Ouais, t'arriveras même pas à me rattraper en vrai. Hein. Non, t'arrives pas, je te trace. Hein. Il est beau mon pare-choc ou pas? Ok. Starmies? Ah oui, merde. Désolé. Starmie, mon pare-choc a été joli. Ouais, ça va. Bon bah écoutez, résumé et résultat des courses. La Entity est donc la voiture la plus rapide de ce fameux DLC. Elle arrive à battre l'ancienne Entity. Elle arrive à battre la Cheval Taipan. Et elle arrive même à battre la voiture de NASCAR. Reste plus qu'à voir si elle est capable de battre les autres super sportives qu'il y a dans sa catégorie. Ça reste à voir. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez qu'on vous fasse ça, n'hésitez vraiment pas à nous faire savoir dans l'espace commentaire. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Je sais que j'avais dit que je ferais du RP, mais maintenant les modes ne sont pas encore activés. Il faut attendre à peu près une petite semaine avant de pouvoir voir des modes arriver. Donc ça va être un petit peu des vidéos comme ça, vice versa sur GTA Online, mais qui je l'espère vous plairont. Si vous avez des tests à nous donner ou si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier avec ces nouveaux véhicules, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Virtuose et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. À bientôt.